Les 4 lumières sont déjà disponibles. Je crois que vous avez dit. Et certaines cartes, en fonction du pays, viendront avec coffret. Certaines viendront sans coffret. Coffret n'est pas si nécessaire. Depuis que j'ai acheté ça, je n'ai pas utilisé le coffret. Enfin, depuis que c'est arrivé. Donc, les 4 lumières sont disponibles. Cette carte s'appelle Soulève-toi. Ce sont des cartes, quand vous tirez, ça va beaucoup, beaucoup vous encourager. Tu as payé ta consultation. Jeanne, je vais consulter dans 1 heure. Parfois, quand vous payez la consultation, vous ne vous lavez pas au sel. Quand c'est comme ça, on ne pourra pas. Même si je veux, on va commencer à parler, la communication va se couper. Mes esprits sont très, très méticuleux. Il y a des personnes que vous essayez de passer ce que je vous dis. Je dis, lavez-vous au sel, vous ne vous lavez pas. Vous partez payer la consultation. Quand vous payez, j'essaie de vous parler. Moi, je ne peux pas. Je vous le dis. Vous suivez? Donc, Jeanne, s'il vous plaît, écrivez à nouveau. OK? J'ai dit à ma secrétaire que je prenais au moins 2 ou 3 personnes aujourd'hui en consultation. C'est pour ça que je décourage les gens. Je ne veux plus que les gens payent les consultations pour le moment. Lavez-vous d'abord au sel. C'est ça qui est prioritaire pour moi. Donc, les 4 lumières sont là. Je vais vous tirer quelques cartes. Mes cartes sont inspirées, OK? Tu as jeté tout chez moi. Ah, tu suis les instructions. D'accord, pas de souci. Écris, je vais voir si je pourrais te parler aujourd'hui. Tu as compris, non? Donc, mes cartes sont inspirées. C'est des cartes qui ont été conçues avec l'inspiration divine. Voilà, je n'ai pas allé, je n'ai pas pris ça quelque part. Donc, ils m'ont dit, enfin, je concevais celle-ci, qu'il y a des personnes, il y a des moments où tu es désaxé, déboussolé. Donc, tu prends ces cartes ici. Je vais tirer quelques-unes, vous allez voir l'effet que ça fait. Ok, je m'assure que c'est dans le bon sens. Les cartes viennent avec la formation. Il y a une formation pour lire les cartes. Ne t'en fais pas. Leur avis ne compte pas devant Dieu. Pensez-y. Pensez-y. Si Dieu a dit son mot sur toi, tout le monde autour de toi ne veut pas. Ce que eux pensent, Dieu s'en fout. Quand j'ai reçu les cartes, c'est moi j'ai tiré ça pour moi. Ça m'a parlé. J'ai dit que ah, thank you Jesus. On va tirer un autre. Ce que tu dis s'accomplira. Décide de réussir. Et déclare-le. On est dimanche, mes employés du Gabon ne travaillent pas, mon frère, le coach Lolo. Ce n'est que demain, pardon, que vous pouvez les avoir. Mais si vous écrivez ce numéro du Cameroun, on peut vous répondre. J'ai une personne qui travaille avec ce numéro-là en standard au Cameroun. OK? Le numéro du Cameroun, c'est le 237. 693 50 22 66. Bonjour, la reine Héricia, comment ça va? On fait une autre carte. Personne ne peut te déstabiliser. Sérieusement, moi, ça me parle, ok? J'étais dans un vol, je ne sais pas dans quel pays j'allais. Et je suis dans les airs. Je crois que je jeûnais le jour-là. Je suis dans les airs. Un me disait, écris, écris. J'ai conçu 64. 53 ou 60. 53, 63. C'est au moins 50 en tout cas. OK? Personne ne peut te déstabiliser. Bonjour à mon père, comment tu vas? Oui, on pourra livrer déjà. C'est déjà là. Donc, on va poster à partir de la semaine prochaine. On fait une autre. Permets-toi de recevoir l'amour. Parfois, on bloque. Parfois, on bloque.
chaque fois que je vous ouvre, moi-même, ça me plaît. J'ai hâte, like, you know. Aucun de tes projets ne peut échouer. Ça me plaît trop. Like, I'm too... I'm... Si tu peux te répéter ceci jusqu'à ce que ça rentre dans ton esprit. Voilà une autre. Personne ne connaît ce que tu as déjà semé. Demande à Dieu et reçois. Sérieusement, si on fait toutes les cartes, je crois que je suis en train de guérir là. Je suis en train de guérir. I'm just like, you know. Personne ne sait ce que tu as déjà semé. Parfois, tu oublies. Parfois, tu oublies qui tu es, d'où tu viens. Les sacrifices que tu as déjà faits. Tu es un aimant naturel pour les bonnes choses. Woo! That was the last one, ok? C'était la dernière. Tu es un aimant naturel pour les bonnes choses. Tu ne peux que attirer ce qui est bon. Médite un peu dessus. On fait encore une carte. On fait encore une. Tu es plus forte que tu ne penses. Tu es plus forte que tu ne penses. Imaginez, il y en a encore comme ça, au moins 45 ou 50. Je ne sais pas combien de cartes c'est, mais bon, voilà ça. Voilà seulement ce qu'on a lu. Vas-y, reste. Donc, les quatre reines lumière qui se nomment Soulève-toi. Ça s'appelle Soulève-toi. Il y a des cartes que j'ai conçues qui s'appellent carte de reprogrammation. Combien de temps faut-il pour le bain avant la consultation? Tu peux faire une semaine. Paye déjà la consultation si tu commences à te laver au sel déjà. Et je préfère, quand vous voulez que je vous parle, prenez un traitement d'abord. Vous commencez. On t'a dit ça ce matin, que tu es plus forte, tu vois. Tu es plus forte que tu ne penses. Et voilà que tu tombes là-dessus. Ça veut dire que parfois, vous devez comprendre que vos guides veulent vous parler. Et il est temps que vous commencez à croire en ce que vos guides... Oh, God. Croyez. Croyez. Moi, j'ai encore envie de lire. Ils ont prévu ton mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Oh non, je suis trop contente. Oh rababa ki la bako son troko saria babo chantre i croco sure ka kurenda la bakasi lo brosso cotoria na makasande le boko soto ro bachande. Je transforme tout mal qui a été envoyé vers vous en bien. Tout mal qu'on a voulu envoyer vers vous, je le transforme en bien. Au nom de Jésus. Oh. Les cartes, c'est 35 000 le 7. Un 7 comme ça, c'est 35 000. Si vous ne voulez pas investir sur ça, ne vous en faites pas. Mais seulement, je viens de lire, j'ai fait 10 minutes de lecture de cartes. Like, j'ai commencé à parler en langue. Oh, Tariana Masanda, Eva Koshika, Tariana Masanda.
En euros, 35 000, c'est combien? Peut-être 50 euros, 55 euros, quelque chose comme ça. Donc, quand je vais transporter pour arriver à Paris, je verrai. Je vais mettre le coût du transport dessus. Donc, peut-être à Paris, ce sera 60 euros. Peut-être. Ouais. Tu ne peux pas te permettre que de laisser ton mental tomber. Tu me suis? Tu ne peux pas te permettre de laisser ton mental tomber. Je vais envoyer les choses à Paris. Venir à Paris, j'ai pas envie. Pardon, pardon. Je n'ai pas envie. J'ai pas envie de venir. J'ai pas envie. Je suis sur Abidjan. Ça, sur Abidjan, c'est 35 000. Abidjan. Douala, cet appareil, 35. Mais venez, venez. Je vais faire, j'ai envie de faire une retraite en novembre. Elle va se passer au Burkina. Ok? J'ai une belle maison au Burkina. Il y a de la végétation dehors. C'est très beau. Donc, je vais organiser une retraite spirituelle au Burkina. Et le Burkina est très spirituel. Donc, novembre. Comme ça, vous vous préparez. Comme je fais toujours mes choses au pif là. Je vais voir avec mon équipe, on va évaluer les coûts. Mais je préférais novembre parce que c'est d'abord un mois très spirituel. Je crois que c'est le mois des morts, quelque chose comme ça. Et deuxième chose, les billets ne sont pas très chers en novembre. Donc, c'est ça, non? Voilà. Dernière carte pour la route, parce que moi, je dois partir. Reçois l'argent et les idées pour fleurir. Ok. Je ferai une retraite au Gabon aussi, parce que les Gabonaises m'ont beaucoup demandé. Pour le Gabon, il faut que je trouve une maison pas très loin de l'eau. Si on peut trouver un hôtel pas très loin de l'eau, parce qu'au Gabon, il faut qu'on, je voudrais bien qu'on travaille au bord de l'eau. Oui. 2 jours, ça sera suffisant. Pour Douala, c'est probable qu'on aille à Limbé. J'aurais préféré. Pour le Cameroun, qu'on aille à Limbé. Je veux travailler. Quand je veux travailler, on va travailler à côté de l'eau. Oui. Mais pour le Burkina, c'est sûr, c'est novembre. Voilà. Donc, Kinshasa. Pas pour l'instant. Je vais trouver le chocolat des filles là-bas. Je suis installée au Gabon. J'ai ma maison à Libreville. J'ai mon magasin à Libreville. Je suis à Libreville tout le temps. Donc, ah, la Guadeloupe est entourée d'eau. Titine, tu devrais me faire une invitation pour que je vienne là-bas. J'ai tellement la flemme de voyager. Je n'aime pas les longues distances. Bon, Pauline, il faut qu'on trouve la date pour le Gabon. Parce que j'ai une amie gabonaise. Quand elle va savoir que j'organise la retraite, elle sera très, très contente. Pour le Gabon, on peut mettre ça en mi-octobre. Comme ça, quand vos enfants partent à l'école, comme ils recommencent bien l'école là. Le livre en dollars. Peut-être 25 dollars. Hein. 15 000 en dollars, c'est combien? Non, 17 000 en dollars, pardon. Si vous avez quelqu'un qui peut prendre à Douala, c'est 15 000. Abidjan, c'est 17 000. Gabon, c'est 17 000. Le livre des enfants. Donc, attendez, je trouve la date. On doit faire la date du Gabon. Comme ça, les Gabonaises. Octobre, ce sera bon pour le Gabon. Quelle date en octobre? Allez, guidez-moi. Donc, on va faire du vendredi 18. Au dimanche 20. Oui, le kit chocolat est au Cameroun, oui. 18 octobre au 20. Vous pouvez arriver déjà le 17 au soir, ce serait super.
Et quand c'est comme ça, je veux beaucoup de silence. Oh, je suis en train d'avoir une idée, une vision. Ouais, beaucoup de silence. Il y en a parmi vous, vous avez besoin de 2 jours. Vous venez, vous entendez, vous voyez comment c'est calme, non? Là, je suis à Abidjan. Vous entendez quoi? Rien. On montre qu'il y a des personnes, vous avez besoin de... on appelle ça comment? De faire le vide. Et vous avez besoin d'être dans un endroit où on ne vous dérange pas. Pendant ce temps, quand vous venez sur place, ce que je vais beaucoup recommander, c'est de faire un jeûne. Ceux qui peuvent faire sec le font. Et on ne mangera que des fruits et légumes sur place. Ok? Vous mangez vert. Donc, au Burkina, surtout, il y a beaucoup de végétation dehors. Douala, mon local, le Makepe, je l'ai libéré. Donc, il y a plus d'espace. Ce qui fait que je peux recommencer à recevoir les gens là-bas. Et il y a de la végétation dehors. Et le coin là est aussi calme. Donc, je verrai comment mieux vous recevoir là-bas à Douala. Mais, Libreville, du 18 au 20 octobre. On va voir le Burkina en même temps. Du 8 au 10 novembre. Voilà. Ceux qui sont en Europe, qui veulent venir, vous calculez les deux dates là, vous venez. Les billets seront moins chers à ce moment. Et je ne veux que les bonnes personnes. Vous aurez beaucoup de vêtements. Il y a des vêtements. On doit vous coûter des vêtements. On montre comment vous devez vous habiller déjà là-bas. Donc, je refais ça. Les femmes de Douala, je ne vous donne pas encore les dates de Douala parce que je veux que vous sortiez de là. Sortez de Douala. Faites vos passeports, non? On vous a attaché au pays. Hein? On vous a attaché au pays. Donc pour octobre, j'ai dit que c'était du 18 au 20, non? Voilà. Avec possibilité d'arriver derrière le 17. Et Burkina, du 8 au 10, avec possibilité d'arriver la veille. Voilà. Va faire beaucoup de méditation. Ah. On fera des bains, beaucoup de bains. Les femmes qui aiment beaucoup bavarder là. Vous allez venir, je vais mettre le scotch sur vos bouches. Bonne prière, monsieur, véritable lumière. Les femmes qui aiment le bavardage là, go leur faut. Ok, pas de problème, Titine. Avant novembre, j'en aurais fait plus. Hein. Comme j'ai lancé les trucs, je vais faire plus. Selon la direction des ancêtres. Martine, tu voudrais quel genre de formation? Je voudrais faire un suivi. Je ne vais plus faire des formations de groupe. Je préfère vous prendre et je vois ce dont vous avez besoin. Je donne et dis, écoute ça, fais comme ça. Après, je suis ton évolution. Oui. Les formations de groupe ne sont pas bonnes parce que dans le groupe, tu as souvent quelqu'un qui est assez avancé. Et quand on enseigne, les autres sont tentés de tirer derrière. Donc, on va commencer à faire plutôt des formations isolées. Donc, chacun a son cursus, on voit où tu en es. Voilà. C'est pour ça que vous devez chercher l'argent. L'argent d'abord. Le Burkina est très beau, c'est un très beau pays. Les Burkinabés sont très accueillants, très sincères, très gentils. Et la nourriture saine. Moi, j'ai beaucoup aimé. Quand je suis allée là-bas le mois passé, j'ai mangé les fruits. Les mangues du Burkina. Aïe, 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 c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ton bracelet s'est coupé, il faut passer dans un de mes locaux. Tu donnes, on va réparer.
Tu as compris, non? Je crois que tu as peut-être payé 1000 francs ou 2000. Ils vont réparer le bracelet pour toi. Ok. Bon, on a terminé. Je sors. Il faut que j'aille me balader. Je dois aller. Regarde dehors. Tu vas chercher Marie Burkinabé. Ah, est-ce que tu pourrais être assez sincère pour lui? Les Burkinabés, ce que j'ai d'eux, c'est que c'est des personnes. C'est vrai. C'est pas des manipulateurs. Oui. Ma vidéo va toucher les bonnes personnes. C'est ça que je comprends. Il n'y a que les bonnes personnes qui viendront même à cette retraite-là. Même si c'est deux femmes. Les deux femmes seront connectées. Elles sauront ce qu'elles veulent. Vous savez, chaque fois que je conçois quelque chose, je comprends que I'm doing it for the one. Et c'est ça qui m'excite encore plus là, you know. Chaque chose que je conçois, si vous pouvez voir l'état dans lequel je suis quand je conçois mes produits parfois, comme les bougies reines lumière que j'ai fait. J'ai commencé à les bougies reines lumière. Il y a le sel sirène. Quand je concevais ce sel, j'ai généralement des visions, des choses comme ça. Et ceux qui ont acheté la bougie sirène, la bougie sirène, les bougies reines lumière là, ça se brûle dans un plateau d'eau. Ok? Tu mets un plateau, tu mets un peu d'eau, tu déposes la bougie à l'intérieur. C'est là que tu brûles ta bougie. Ok? Ils ont prévu te faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Libère ton esprit et reçois l'abondance. Toutes tes factures sont payées. Ne stresse pas. Je vous libère de la pression qu'il y a par rapport à vos factures, les engagements de septembre. Ton nom est évoqué dans les lieux les plus élevés de ce monde pour te donner des faveurs. À chaque fois que je lis les cartes, je ne sais pas pourquoi ça... Ça me fait des trucs dans le corps. It makes me emotional. Yeah. Bonjour, Ori. Comment tu vas, Ori, ici, là? C'est pas là où je vais mettre mon médaillon aussi. Je dois accrocher sur quelque chose. Unchangeable change. Vous passez une très bonne journée, ok? C'est la qualité de la flamme là qui te plaît. Le goût de ça, l'approbation de ça. Ouais. Bouger. Je crois qu'on en fera. On fera des danses comme ça pendant les lieux. Il faut bouger le corps et l'esprit. Je vous envoie du bonheur et de la paix. Sylvie, je suis là depuis, ça fait déjà au moins 45 minutes que je fais le direct. Je les ai beaucoup suppliés pour venir faire le direct aujourd'hui. Depuis deux jours là, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas que je fasse le direct. Suivez vos idées. Agissez sur vos idées. Ils vont beaucoup vous parler aujourd'hui. Le nez va démanger, les genoux vont démanger. Ok? Voilà.